dans les neuf mondes. Mais qu'est-ce que... Va, ma fille. Déploie tes ailes, Sinin. Oh, j'ai peine à le croire. Mes yeux se posent enfin sur toi, celui qui doit sauver mon peuple. Cette femme a l'air de me connaître. Va, Sinin. Valka a dit que nous nous rencontrerions, mais j'ai peine à croire que le grand Eivor soit destiné à sauver ma modeste île de Skye. Qui es-tu? Toujours à prendre les devants, Idith. Eivor, Idith est une vieille amie, une clairvoyante. Elle est venue me demander conseil. Son peuple est assailli par des cauchemars à devenir fous. J'ignorais que la modeste île de Skye avait des habitants. Il y a quelques villages, oui. Mais c'est surtout un lieu de passage. L'endroit idéal pour que les cauchemars sèment le chaos. Jusqu'ici, je me contentais de déchiffrer les rêves de ma cousine. Si le fait de manger des plumes suggérait d'épouser un fermier ou un boulanger... j'ai du mal à te comprendre. Idith a besoin de ton aide, car cela ne touche pas que les gens de son peuple. Étant en lien étroit avec le monde des esprits, j'ai moi aussi commencé à perdre le sommeil. Je crains que cela ne s'étende bientôt à toute la colonie. Alors je mènerai mon enquête. Mais la chasse aux mauvais rêves est loin d'être ma spécialité. Il y a autre chose. Cela ne va pas te plaire, Eivor, mais j'ai l'impression que Ranvi y est mêlée. Voir en est la cause. Valka, tu sais que j'ai confiance en ton savoir, mais Ranvi est... mon amie. Comment pourrait-elle mettre ainsi la colonie en péril? Depuis que les cauchemars se sont manifestés ici, j'ai demandé de l'aide aux esprits. Et j'ai eu une vision. Tout était embrumé, mais je suis certaine de ce que j'ai vu. Tu trouveras Ranvi au cœur d'une scène macabre sur l'île de Skye. En combat, vous vous affronterez. Avant de devoir vous quitter à tout jamais. Je refuse de le croire. Dans ce cas, libre à toi. Le seul moyen de connaître la vérité et d'empêcher les cauchemars de se répandre est de te rendre sur l'île de Skye. Mes devoirs me retiennent ici, mais Idith t'y conduira dès que tu seras prêt. Alors, es-tu prêt? Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. Je vais découvrir le mal qui afflige les tiens, quelle que puisse être sa nature.
y voilà. L'île de Sky. C'est magnifique, non? Selon toi, où dois-je aller en premier? Rends-toi d'abord à Kiltaraglen. C'est là que les gens ont commencé à se plaindre des cauchemars. Et c'est là que j'habite, si tu as besoin de moi. Un aigle. Est-ce que ça va? Je suis là pour... Un aigle? Un aigle va causer notre perte à tous. Je l'ai vu en rêve. Bon, lui, il ne va pas me dire grand-chose. Les cauchemars sont sévères par ici. Un aigle? C'est du mauvais, ça. Rien de du mauvais. Que peux-tu me dire sur les cauchemars qui accablent tout le monde? Te dire... Inutile que je te les décrive. Tu les subiras bien assez tôt. Ces cauchemars se répandent comme la peste. Pire que la peste encore. Ils te rongent l'esprit. Descriptif, mais ça ne m'aide pas vraiment. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air... Il faut trouver la guerrière à la tresse. Elle nous fait du mal.
Elles volent nos rêves. La guerrière à la tresse? Ça ne peut pas être Ranvi. Où est-elle? Dans une église, au nord-ouest du village. C'est tout ce que j'ai vu en rêve. Trouve-la et, de grâce, laisse-moi dormir. Que puis-je te proposer? Un de ces jours. Je dois me mettre en route. Au revoir. Valka avait raison. Ranvi! Non. Cassandra. Et toi, tu es? Ton adversaire. Ranvi, elle sait se servir d'une hache. Oh que oui. Et bien mieux que toi. Ah, je préfère la lance. Toi aussi, tu préfères d'autres armes. Où as-tu cette lame? Tu parles beaucoup trop! Ah.
Nous avons des choses à nous dire. Très bien. S'il le faut. Alors, adversaire, tu as un nom ? Eivor, je suppose que tu es membre de ceux qu'on ne voit pas ? Pas tout à fait. Mais j'admire leur travail. Si tu n'as pas l'intention de parler clairement, autant nous battre. Je n'en fais pas partie, mais j'y ai des amis. Et mes buts sont souvent identiques aux leurs. J'imagine qu'il en est de même pour toi. Oui. J'ai des amis chez ceux qu'on ne voit pas. Et j'approuve leurs actions. Alors peut-être avons-nous plus de points communs que nous ne le pensions. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu faisais ici. Tu viens manifestement de loin. D'où viens-tu ? J'ai tellement voyagé, cela fait longtemps que je n'ai plus aucune attache. Mais le monde grec fut mon foyer, autrefois. Je suis venu chercher un artefact ancien, qui cause de nombreux problèmes sur cette île. Tu parles des cauchemars ? Une voyante m'a dit que celle que je trouverais parmi les morts sur cette île en serait la cause. Cette même voyante qui m'a prise pour une dénommée Ranvi, elle devrait peut-être arrêter les champignons. Ainsi tu prétends ne pas être à l'origine de tous ces cadavres ? J'ai vu ces gens s'entretuer, pris de folie et en proie au manque de sommeil. C'est l'artefact que je cherche qui en est la cause. En temps normal, je l'aurais déjà trouvé. Mais ce brouillard rend la tâche, disons, difficile, presque impossible. Si une banale malédiction t'arrête, comment espères-tu affronter le monde des esprits et des rêves ? Une malédiction ? Tu connais bien les secrets de cette contrée, on dirait. Je... Attends, tu n'as rien entendu ? Non, rien. Écoute, quelque chose me dit que nous devrions faire équipe. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, au juste ? L'évidence. Tu veux la fin de ces cauchemars, et moi, l'artefact qui en est la source. Aide-moi à faire disparaître ce brouillard, et nous le trouverons. Après une telle rencontre, tu espères que je ne verrai pas en toi la cause des cauchemars ? Je t'assure que je suis ici pour y mettre fin. D'accord, faisons équipe. Pour l'instant. Bien sûr. Voilà. Un coup de main par ici. Tu as de la force. Et tu es bien placé pour le savoir. Je t'ai battu sans difficulté tout à l'heure. Et tu as l'arrogance qui va de pair. Quelle surprise.
Voilà une église intéressante. Lors de tous mes voyages, je n'en ai encore jamais vu de telle. Tu es ici pour le paysage ou pour te débarrasser de ce brouillard? Je profite de ce que je vois. Je ne compte pas m'attarder par ici. Bravo, la malédiction disparaît. Il sera plus facile de trouver l'artefact à présent. J'ai bien fait de te laisser venir m'aider. C'est moi qui ai presque tout fait. Tu commences à m'agacer, toi, dis donc. C'est sûrement la promiscuité. Trouvons une issue. La privation de sommeil est mon fou. Tout comme ceux que j'ai vus en train de s'entraîner. La privation de sommeil. La privation du sommeil. Ce que j'ai vu en train de s'entretuer. La privation de sommeil est fou. Tout comme ce que j'ai vu en train de s'entretuer autrefois. Alors mieux vaut les abattre avant qu'ils ne nous tuent. Sans pitié, mais je suis d'accord. On aurait vraiment cru que quelqu'un s'adressait à toi pendant ce combat. Il est vrai que l'artefact que je cherche cause d'étranges choses. Mais le brouillard a disparu et il devrait être plus facile à trouver. Comme si une étrangère pouvait fouiller ces collines. Prêt à jouer les guides pour moi? Je n'ai jamais dit ça. Si tu veux que je t'aide, dis-m'en plus. À propos de l'artefact que tu cherches, par exemple. Moi, tu en sauras mieux cela vaudra. Pour toi, tu veux dire. Bon, tiens-tu à ma confiance, oui ou non? Il s'agit d'un objet de grand pouvoir, laissé ici par... d'anciens dieux. S'il restait sur cette île, il pourrait causer un grand désastre. Si cet objet est si vieux et se trouve ici depuis si longtemps, pourquoi cause-t-il maintenant autant de problèmes? Parce que Loki s'ennuie? Quel sérieux. En vérité, je n'en sais rien. Il faut parfois activer les artefacts. Quelqu'un l'a peut-être touché. Après tout, son pouvoir attire beaucoup de gens. Il les tente. Pourquoi ne sommes-nous pas victimes du sort, de la malédiction que cet objet semble imposer à tous les autres? Difficile à dire. Ces artefacts ne touchent pas les hommes de la même manière. Même s'ils altèrent la plupart des gens. Peut-être avons-nous la même... force. En tout cas, cauchemar ou non, mieux vaut se méfier de son pouvoir. Dis-moi, comment comptes-tu t'y prendre pour le trouver? Ça, c'est mon affaire. Cela fait un certain temps que je traque ces artefacts. J'ai développé une sorte de don pour les trouver. L'aura a disparu. Cela devrait être plus facile maintenant. Bien, ne perdons pas de temps. Que faut-il faire? Maintenant qu'il n'y a plus de brouillard, je devrais pouvoir le trouver plus facilement. Mais auparavant, je vais jeter un coup d'œil à cette église. Pour en savoir davantage sur cette contrée. On se retrouve à Topta? Si tu crois qu'examiner une église te suffira pour connaître cette île...
Mais d'accord. À tout à l'heure. Sandra est singulière. Je me demande si je dois lui faire confiance. Maladie ne nous tue tous. Moi aussi, j'ai vu un aigle au-dessus de l'île. Mais il n'annonçait pas une maladie, mais une inondation. Tu as pris ton temps. Je commençais à me demander si cette histoire de dieu et de cauchemar ne t'avait pas fait fuir.
J'ai dit que je viendrais. Alors, grande chasseuse d'artefacts, as-tu trouvé celui-là aussi facilement que tu le disais? Pas vraiment. Mais après avoir examiné cette île, je sais où aller. Je vais t'y mener, si tu es prêt. Va pour cette prochaine étape. Cette expédition en commun commence à m'agacer. De mémoire d'homme, trouver un artefact oublié depuis une éternité n'a jamais été facile. J'imagine que cela fait longtemps que tu recherches ces artefacts. Oui, un certain temps. Pourquoi une telle destinée ? C'est assez étrange, mais mes vacances sont mal tournées. Et depuis, cela est devenu comme une vocation, en quelque sorte. Que ferons-nous exactement de cet artefact lorsque nous l'aurons trouvé ? Je l'emporterai loin de cette île pour le mettre en lieu sûr. Là où personne ne pourra utiliser son pouvoir à mauvais escient. Son pouvoir ? Alors c'est une sorte d'arme ? En de mauvaises mains ? Oui. Une arme qui ne doit jamais être employée. Une arme dont personne ne se sert. Voilà bien le discours de quelqu'un de trop faible pour savoir en assumer la maîtrise. Je comprends que ça te paraisse étrange, mais crois-moi, son pouvoir n'est pas à prendre à la légère. Il y va de la survie de ton monde. Cet ensemble de pierres va nous rapprocher de l'artefact. Je crois que c'est une sorte d'énigme. Bien sûr que c'en est une. Puisque tu as l'air de savoir jouer avec les pierres, vas-y. Tâche de la résoudre. Je ne vois rien. Normal que tu ne le vois pas. Tu n'as pas ma vision. Ce ne serait pas un don de famille, par hasard? Qui étaient tes parents? Tais-toi et concentre-toi. Ça ressemble à l'île de Skye, mais avec une série de symboles. Tu veux dire... Non, ce serait alors... une carte? Je voulais garder les choses simples pour toi. Bon, quels sont ces symboles? Il y a plusieurs triangles, et une croix, qui n'est pas très loin d'ici. Qu'est-ce qu'on attend? Une croix, ça doit être là. Sinon, tu passes tes journées à attaquer les femmes que tu ne connais pas dans les cimetières, ou tu fais autre chose? Je veille sur les miens. Nous avons une colonie, Ravenstorp. Ah, ça doit être agréable. Ça fait tellement longtemps que je voyage seule. Tu parles comme si... Mais quel âge as-tu, au fait?
Plus que tu ne l'imagines. Mais tout le monde me dit que je fais très jeune. Il est très beau, cet oiseau, au-dessus de toi. Elle s'appelle Sinin. J'ai eu un oiseau, il y a très longtemps. Un aigle du nom d'Icaros. Je préfère les corbeaux. Les aigles sont trop... divins ? Voyants. Tu ne dis plus rien. Tu n'es pas encore sur le point de m'envoyer une hache à la tête. Non, mais je n'aime pas briser le silence pour rien, comme toi. Tant mieux. Ce combat m'a épuisé. Je n'ai pas envie de recommencer ça tout de suite. Tu t'es bien défendu, toi aussi, tu sais. Serait-ce un compliment ? Il n'y a rien ici. Tiens-toi là. Pourquoi ? Tu n'as pas confiance. Fais au moins semblant, ça ira plus vite. D'accord. Comment savais-tu que... J'ai beaucoup d'entraînement. Une autre embuscade ! Ils doivent être attirés par le temple. Au moins, ils sont persévérants. Arrête de poser des questions, tu vas toi. J'ai déjà vu cela. Il va falloir des éclats... des clés. Et les placer sur ce socle. Et cela devrait ouvrir... Non. Il faut qu'on parle. Les gens qui nous ont attaqués... Était-ce ta langue qu'ils parlaient ? Je te l'ai déjà dit. L'artefact les a rendus fous. Cassandra ? Eivor, quand vas-tu comprendre que je suis là pour vous aider ? D'accord. Après le chemin que nous avons parcouru ensemble, j'accepte de croire en tes bonnes intentions. Merci. Et si tu affirmes que tu ne me caches rien, je te fais confiance. Il est possible que mon arrivée sur l'île de Sky ait pu activer les pouvoirs de l'artefact. Mais ce n'est pas certain. Et même si c'est le cas, c'est une raison de plus pour que je l'emporte au loin. Non. C'est surtout une raison pour que tu partes et que je l'emporte moi-même. Tu en as assez fait. Je n'ai pas confiance en toi, Cassandra. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Tu as besoin de mon aide.
Je sais parfaitement ce que je dois faire. Et si ces hommes en ont après toi, continuer seul sera beaucoup plus facile pour moi. Eivor, je t'en prie! Les pouvoirs de cet artefact dépassent tout ce que tu connais! Rien n'est trop puissant pour moi. Et puis, je suis sûr que je ferai meilleur usage de cette arme que toi. Oh, très bien! Je t'ai assez vu de toute manière. Tu es impossible! Trop d'arrogance, Eivor! Et cela te perdra! Si je veux ouvrir la porte, je vais devoir trouver ces éclats. Allez, on travaille. Thank you.
peut-être l'un des éclats, l'un de ceux que je dois placer sur le socle. Je suis en danger. Thank you.
the Malefic. Thank you.
voile. Quelqu'un qui marchait vite. Thank you.
rite sacré pour les fées? Oui, oui, comme ça. Tu veux bien avoir la gentillesse d'entrer dans la mare aux fées afin que je t'offre en sacrifice? Tu me demandes le droit de me tuer? Depuis que les cauchemars ont commencé, les fées me chuchotent qu'elles me donneront de grands pouvoirs en échange de doux sacrifices. Pour me remercier, elles m'ont même conduite à l'un de leurs trésors, un très bel éclat. Alors, entre dans la mare. Et si je te proposais de te l'acheter, plutôt ce si bel éclat? Oh, ça ne plairait pas aux fées. Mais ma fille doit se marier bientôt et j'aimerais lui offrir un cadeau d'épousailles. C'est d'accord. Dans ce cas, prends l'éclat et file maintenant. J'ai tous les éclats. Allons ouvrir le temple et mettre fin au cauchemar. Et Cassandra qui pensait que j'avais besoin d'elle. Imaginez un tel lieu sur l'île de Skye.
En voilà d'autres. Je m'en sortais très bien. Très bien, tu dis. Tu étais sur le point de te faire embrocher. Je sais très bien me défendre. Je n'avais pas à me dire. Reconnais-le. Je t'ai manqué. Je vais le dire autrement. Tu n'aurais pas dû venir. Je sais que ma présence complique un peu les choses. Si ces gens m'attaquent, c'est à cause de toi! Je sais, je sais! J'aurais dû t'avouer que ma présence avait activé l'artefact. Pardonne-moi. Et je sais qu'elle complique aussi l'accès à l'artefact. Complique? Sans toi, personne n'essaierait de me tuer en ce moment. Oui, oui. Mais crois-moi, tu auras besoin de moi quand nous aurons atteint l'artefact. Comparé à son pouvoir, ces gens ne sont rien. Donc je vais devoir te supporter, c'est ça? Ce n'est rien. Tu vas t'y faire. Je sais, je sais! On pourrait peut-être en reparler quand ils seront morts, non? J'ai déjà vu ce genre de mécanisme. Je m'occupe d'allumer la lumière. Toi, dirige les rayons vers les plateaux, près de la porte. Donc je peux déplacer ça, apparemment. Ces peaux et ces armes sont très étranges. Ils viennent de chez moi. Et qu'est-ce qu'ils font ici? C'est une illusion créée par l'artefact. Et par ta présence, je suppose. Notre Seigneur de la Lame. Kasova!
Juste pour ça. Garde-la. Reconnais-le, nous formons une belle équipe. Ce n'est pas si désagréable de travailler avec toi. Mais pour ce qui est d'obéir aux ordres... Un peu d'indulgence. C'est la première fois que je travaille avec quelqu'un depuis... très, très longtemps. Tu dois te sentir seule. Parfois, oui, je le reconnais. Mais ma destinée est de suivre ce chemin. Quoi qu'il en soit, je dois repartir. Il n'est jamais bon pour moi de rester au même endroit. Merci pour ton aide. Vraiment. Attends. Les hommes du Nord fêtent leur victoire. Et comme finalement tu t'es montré utile, viens donc boire avec moi. Je ne sais pas trop. Je préfère éviter d'être aperçu par trop de gens. S'ils boivent, les gens, personne ne voit jamais rien. Après tout, qu'est-ce que je risque? Un gros mal de crâne demain matin si on passe un bon moment. On se donne rendez-vous à la maison longue de Kil Taraglen? Entendu. Te voilà. Prêt pour cette coupe? D'accord, entrons. Qu'y a-t-il? Il y a... beaucoup de monde. Cela fait longtemps que je n'ai pas assisté à une fête. Ça me rend... nerveuse. Ce n'est pas comme si tu y allais seule. Je serai là. Je crois que tu as raison. Allez, entrons. Ah.
D'accord. Eh bien, me voilà prête à boire. Et toi? J'ai toujours voulu goûter à l'hydromel. Ça ne peut pas être pire que le Eh bien, tu tiens l'hydromel. Mais si on avait bu du vin, j'aurais gagné. Du vin? C'est pour les enfants, ça. Pas celui du vignoble de Marcos. Ce vin effacerait la peinture d'un vase. Marcos? C'est qui, Marcos? Un vieil ami qui faisait un vin épouvantable. Malaco. Mal à quoi? Tu as vraiment trop bu, toi. On ne comprend pas ce que tu dis. Non. Non, c'est un juron grec. C'est Malaka. 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 Voilà. Très bien. À moi de t'apprendre quelque chose. Les jeunes époux sont parmi nous. Est-ce qu'on est à un mariage? Tu ne croyais quand même pas que tous ces gens étaient là pour rendre hommage à nos exploits. Allez, viens, qu'on se joigne à leur petite fête. Si on allait aider la jeune mariée à se débarrasser de ce crétin. Tu veux dire de ce... Malaka. C'est ça. Merci. Vous avez sauvé mon mariage. On l'a sauvé deux fois, tu veux dire. Oh! Ce n'est pas vous, les héros, qui ont sauvé l'île et notre mariage? J'en ai fait un peu plus qu'elle. Mais oui, c'est nous. Nous aimerions beaucoup que vous leviez votre coupe à nos épousailles. On vous connaît à peine. Que pourrions-nous dire? Mais vos exploits ont fait de notre mariage un jour inoubliable! Allez, contez-nous vos prouesses! Moi, ça me plairait bien. Et toi, Ivor? Entendu. Allez, Cassandra, faisons quelque chose d'intéressant ensemble. Qu'est-ce que tu as en tête?
Mais une joute verbale, bien sûr. Ah, je n'ai jamais essayé ça. Mais sache que j'ai débattu avec de très grands philosophes. Cesse les vantardises et montre ce que tu vaux. Ce jour, étrangement commencé par un lancer de hache en vue de me tuer. Et je vis Eivor, téméraire et en furie. Et face à moi, Cassandra, laide comme une truie. Il n'est pas très doué, n'est-ce pas? Il fallut force embuscade et un temple poussiéreux pour que mon talent trouve grâce à ses yeux. Son cœur de nordique, j'ai enfin dégelé. Que nenni, je sais que c'est elle qui les cauchemars causait. Eivor! C'est vrai, ça? Franchement, je m'attendais à mieux. Je me suis occupée des Traques et Eivor des Traquenards. Et ensemble, nous avons chassé de Sky les cauchemars. Enfin, aux 12 époux, nous disons en ce jour... Que vos nuits soient douces. Et d'un éternel amour. C'était... quelque chose. Vous devriez peut-être en rester aux exploits et les laisser compter par des scalds. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été au centre de l'attention. Et qu'en penses-tu ? Ça me rappelle des souvenirs. Merci de m'avoir invité ici. Ce n'était rien. Si, crois-moi. Merci. J'en avais besoin. Énormément besoin. On l'a sauvé deux fois, tu veux dire. C'est bien normal, ma petite dame. Edith, tu es là pour le mariage? Naturellement, la mariée est ma cousine. Et surtout, je devais te remercier. Tu as réussi à aider mon peuple après tout. Sans quoi, nous ne serions pas là à faire la fête. Je n'étais pas tout seul. On m'a aidé. Certes, certes. Valka t'a mis sur la voie. Mais avait-elle raison, finalement? As-tu fait tes adieux à cette Ranvi, comme elle en avait fait prédiction? Non. Ranvi n'est jamais venue sur l'île de Sky. Ah, eh bien, même Valka peut se tromper. Enfin... c'est une bonne chose que tu n'aies pas dû dire adieu à une amie. Oh!